Le développement universitaire est un des principaux axes du programme du chef de l'État. Et les réalisations qui sont en train d'être faites au niveau de Ouagadougou ont pour objectif de faire en sorte que l'on décongestionne l'université Joseph Kiyi-Zerbo à Ouagadougou. Vous savez, l'université Ouagadougou a près de 20 000 étudiants aujourd'hui. Et ces 20 000 étudiants sont dispersés à travers la ville de Ouagadougou dans différentes salles, au CIAO, à l'université Joseph Kiyi-Zerbo, etc., etc. Et il était de bon temps que l'on trouve un site où nous allions ramener tous ces étudiants pour qu'ils se retrouvent de façon conviviale autour de leur communauté universitaire pour pouvoir entreprendre des études scientifiques et techniques de manière conséquente. Et c'est pourquoi depuis 2018, nous avons commencé à construire cette université ici. Et je tiens à remercier les communes de Lumbila et de Saba qui ont bien accepté de nous donner cet espace pour qu'on puisse réaliser ces différentes infrastructures-là. Et je suis surpris de constater qu'en l'espace d'une année, il y a toutes ces infrastructures qui ont été réalisées. Et ces infrastructures vont être bientôt inaugurées, ce qui veut dire que Ouagadougou sera bientôt opérationnel et on pourra commencer à déménager progressivement l'ensemble des étudiants de cette université vers le nouveau site. Comme vous l'avez constaté, c'est une petite ville qui est en train de se créer avec des infrastructures sociales, avec des infrastructures éducatives et d'enseignement. Et je crois que c'était vraiment important de faire ce travail-là. Le chef de l'État a décidé de faire en sorte que chacune des régions puisse avoir son université. Nous sommes en train de travailler à cela. Et un des exemples aujourd'hui, c'est de réaliser cette infrastructure qui va venir renforcer les capacités de la ville de Ouagadougou qui abrite le maximum d'étudiants de notre pays. Je tiens à ce que toutes les conditions soient réunies lorsque l'on va commencer à déménager les étudiants sur le nouveau site. Il faut que la sécurité soit assurée, il faut que les conditions sociales soient assurées, de manière à ce que ces étudiants qui vont venir ici ne croient pas qu'on les a jetés dans le vide et qu'ils vont être confrontés à un certain nombre de difficultés insurmontables. Cette visite que nous venons donc de recevoir de Son Excellence Monsieur le Premier ministre nous réconforte dans tout ce que nous accomplissons comme tâche. Et ensuite, je crois qu'avec vous, vous avez pu constater l'état d'avancement des travaux et l'originalité de cette université. Elle se construit à petits pas, mais sûrement. Et vous aurez remarqué qu'il y a un plan global d'aménagement où toutes les infrastructures sont géoréférencées et avec l'accompagnement du gouvernement, on espère bientôt rendre opérationnel ce site. Alors vous aurez remarqué qu'il y a des infrastructures qui sont totalement achevées et réceptionnées. Il y en a qui sont en voie d'achèvement et il y en a qui sont donc bien sûr en phase avancée de construction. Donc globalement, on reste satisfait de cette visite et cela nous réconforte et cela nous donne beaucoup plus d'énergie pour aller de l'avant.